Oh, pipé, jambe de bois. Direct. À chaque fois que je joue à ce jeu, il faut que je me rappelle comment on joue. Ah, oh, ça fait pas si longtemps. Pipe, 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 jambe de bois. Venez, on reste 4 heures et on fait ça. Pipe, jambe de bois. Allez, le divertissement à son paroxysme. Ah oui, attends, faut choper des trucs, c'est ça? Bah, alors oui, c'est vrai, il faut ramasser J'habille le bateau d'abord. Alors attends, avant qu'on choisisse quoi que ce soit, j'aimerais bien un petit peu voir les nouveautés et tout. Oh. Attends, non. Il y a vraiment une ambiance, ce jeu, je l'aime trop. Dans le jeu. Alors attends. Je vais aller sur le bateau parce que apparemment c'est sur le bateau maintenant que tu fais les quêtes et tout. Les quêtes et tout, quoi? Non, rien. Bah, j'ai fait une fusée éclairante, c'est joli. J'ai dit je vais sur le bateau, t'as fait oh, j'ai Je joue pas, écoute, je vais pas sur le bateau si tu veux. Donc on va faire la fable qui s'appelle Cœur ardent dans l'âge des cendres. Vas-y, Cœur ardent, commencez la fable du film Flibustier. Il me dit, vous pouvez désormais plonger jusqu'à votre lieu de voyage. En partant pour un voyage de cette façon, votre navire plongera sous les vagues et rejoindra rapidement le début du voyage. Donc c'est le système de téléportation dont je vous ai parlé. D'accord. Tout trésor à bord de votre navire ainsi que tous les voyages émergents seront perdus en mer si vous plongez. Assurez-vous de vendre vos trésors dans un avant-poste ou un port avant... Qu'est-ce qu'il y a? C'est Mintos qui est bourré, ah, il est bourré et qui joue mal. On voit ce que ça donne, le fait de plonger jusqu'au lieu. Oui, vas-y, si tu veux. Y aller maintenant, quoi. Mintos, ouais. Arrête de vomir sur la fable. Dans l'arbre de la cantine. Mintos en RP vieux cave horrible. Mintos qui fait un AVC. Oh, il m'a vomi dessus. Putain. Il est dégueulasse. Il est pas de base, non. T'as des coups de pif. Mintos. Tu veux de la carbonara sur tes pattes? Oh, le jute dessus. Chanceux, va. Allez, un peu de jute de Fred. Ah, mais je crois que j'ai pas de jute, en fait. Mintos, t'as de l'hypoglycémie, ouvre la bouche. Oh ouais. Florence, au secours, les deux sont répugnants. Bah toi aussi, Antoine. Hein, généralement, t'es un peu répugnant dans ce jeu aussi, hein, si tu peux me permettre. Hein. Dans le jeu, d'accord. Mais moi, je parlais IRL. Non, arrête. Qu'est-ce que j'ai fait de répugnant aujourd'hui? À part roter deux fois et m'être fait pisser dessus. Franchement, à part ça. Tu t'es fait pisser dessus par ta femme aujourd'hui, oui, tout à fait. Oula. Deuxième fois, c'était par mon fils. Il était mort de rire en le faisant. Mais la première fois, c'était par... La première fois, c'était par ma femme. Ça, c'était bizarre. Au réveil, tu vois, j'ai ouvert les yeux. C'est dessus toute la... Mintos, t'es bourré? Non. Oui, oui, il est bourré. Non. Tu marches pas très... Vas-y, fais une ligne droite, Mintos. Vas-y. Non, vas-y, je te regarde. Fais une ligne... Voilà. Bah voilà, il essaie de le Mintos, Mintos, une petite ligne droite, Mintos. Vas-y. Une petite ligne droite, Mintos. Si. Ah là, là. Ah oui, voilà. Oh, waouh. Wow. Wow. Incroyable. T'es plus bourré, là. Hop là. T'as des cuvées. Allez. Il y a des cuvées. Parti, on y va. Bon, vas-y, je vais lancer le bateau sous l'eau, restez bien dessus. Là, je vais faire une manœuvre très dangereuse, messieurs, dames. Attends, je vais voir comment ça se passe. Préparez-vous, c'est parti. T'as chier. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais lever l'encre à moi. Je savais qu'il fallait lever l'encre. Ah, vous devez venir voter. Venez voter. Okay. Votez ici. Non, moi je vote pas, moi. Là, pour cœur ardent, ici. Voilà, mais te plains pas, Nintos. Si tu votes pas, te plains. Il faut au moins qu'on sorte de cet endroit. J'espère que c'est pas juste un écran de chargement à l'écran, hein, que c'est juste... C'est quoi? Ok, c'est parti. La musique, elle est... La musique est trop bien. Oh là là, oh, c'est trop bien. On ira. Ah non. Ah oui. C'est quoi la musique de... C'est Up is Down, là, de Pierre des Caraïbes. Oh, regardez. Sous l'océan. Attends, ça, y a pas de jauge de... Non, c'est pas genre, oui, tu te TP, mais tu meurs, par contre. Oula. On est en train de remonter. Regarde au-dessus. Ah ouais. On remonte. Ça se bien. Et même d'en dessous. On découle. Oh, on s'envole. Ah non, c'est bon. Non. Ok, l'avant-poste auquel on doit aller, il est juste en face de nous. Donc préparez l'encre bientôt. Et franchement, c'est stylé, j'aime bien. Il veut parler avec Talula, qui est la meuf qu'on voit dans l'illustration, là. Notre bateau, il était vert avant? Non, il était pas vert. Si, il aurait été vert. Vert bleu. Et d'ailleurs, c'est pas vert, c'est pas bleu. Préparez l'encre, les amis. Faut lâcher. Il y avait du... On est finito, ça y est. Non, ça va, regarde. On freine. Oh, juste à temps, le freinage est parfait. Oh. Mintos, tu voles mes trucs? Non, c'est Fred. C'est pas moi.
Fred, il a volé ce que je voulais voler. C'est vrai, et je l'assume. Nourris le personne. Alors venez, venez qu'on... Je te sers, mon mignon. Je lance le truc quand vous êtes tous là. Venez dans le bar. Ah, cœur ardent. Ah oui, fallait appuyer sur le bouquin, t'as raison. Ah, c'est... Elle me ressemble, mais en bloc. Antoine, dis Daniel, il s'écoute de One Piece. There you are. Oui. I was starting to think you wouldn't make it. Ok, c'est bon. Fab de Filbusti reçu. Rappelez-vous, faut appuyer sur A, puis sur quête. L'alliance des Forsaken Shores est formée. Aujourd'hui, Ruby, Fetcher, Jim et moi avons levé notre shop. Avant de faire voile sur ces mers encore non cartographiées au-delà du Shroud. Je suppose que le Shroud, c'est l'espèce de brume, peut-être. Oui, je sais pas, ça veut dire brume, quoi. Ou c'est le streamer, peut-être, dont il parle. Jour 12, nous avons fait une découverte au-delà du Shroud, un monde hostile et brûlant que nous avons baptisé le Devil's Roar. Jim a découvert une boîte des merveilles à moitié enterrée dans ce sable mouvant et brûlant. On l'a rangée dans notre cale. Okay. Un endroit aride et sans pitié. Donc il y a un volcan. C'est une île volcanique. Volcan, ouais. Rempli de pièges et de dangers. C'est ça, jour 52. Nous avons été trahis, empoisonnés par la morsure de ce rat de Stitcher Jim. Que cette boîte des merveilles avait corrompu. J'aurais dû le voir venir. Ruby, Fetcher, je prie pour votre salut. Je tenterai de vous retrouver, vous et l'Alliance, dès que j'aurai retrouvé nos forces. Avec une grosse trace de vomi dessus. Jour X. J'ai erré, égaré et oublié depuis si longtemps. Aujourd'hui, j'ai perdu mon navire. Il est échoué sur cette île, épave de ce qu'était jadis la grande alliance des Forsaken Shores. Je vais devoir me réfugier ici. Morrow's Peak sera dédié à ce que Ruby, Fetcher et toute l'alliance ont enduré par la faute de ce serpent de Stitcher Jim. Le prix de l'avarice. Le serpent montre les dents. Hier soir, on m'a rapporté que Stitcher Jim traînait ses guêtres dans les Wilds. Il serait tombé amoureux, mais je n'y crois pas. Cet homme n'aime qu'une personne, c'est lui-même. S'il y a bien un endroit où on trouvera ce serpent, c'est sous terre, dans sa planque sur Liar's Backbone. Je pense que ce sera le point de départ. Non. Possiblement. Je vais peut-être envoyer quelques amis sur sa trace, et peut-être seront-ils armés. Liar's Backbone, c'est le nom d'une île, ça ? Liar's Backbone. Parce qu'on a le nom d'une île dans le Shroud, mais est-ce que c'est une île où on doit aller ? Parce que j'ai l'impression que c'est juste l'île sur laquelle ils ont pris le trésor. Bah justement, là, le truc qui dit que... Attends, Liar's Backbone... Il y a Liar's Backbone. Ici, Liar's Backbone. Ok. Liar's Backbone est ici. Mais est-ce que le trésor, il a bougé depuis ? Parce que tu sais, parfois, tu dis, on a planqué ce trésor à tel endroit et ensuite, il est plus là, tu sais. Pour moi, ils ont découvert une boîte sur Devil's Roar et ils l'ont rangée dans la cale, donc elle y est plus, en vrai. Donc... Bah attends, dans la cale, mais sauf qu'à part là, un moment de l'épave de son ancien bateau. Peut-être que justement, le trésor est dans l'épave de ce bateau en question aussi. Sur cette île épave de ce qu'est déjà dit la grande alliance des Forsaken Shores, je vais devoir me réfugier ici. Okay, vraiment l'île la plus à côté. On peut aller voir Forsaken Brink, c'est vraiment l'île la plus proche, elle est sur notre chemin. Rose Peak sera dédié à Ruby, ouais, c'est ça. Ça a l'air. Hein. C'est qui sonne la cloche comme ça, là? D'après toi. C'est Mintos. Mintos. D'après toi. J'ai posé Mintos. La question, alors je connaissais la réponse, hein, c'est quand même fort, ça. Mintos, t'as le droit de lire le livre aussi. Hein. Si tu veux. Moi, je sais déjà où faut aller, hein. Ah ouais, ouais. Vas-y, elle est où la boîte? Liar's Backbone. Alors, Liar's Backbone, on ira après, mais on va d'abord aller sur la petite île qui s'appelle Forsaken Brink. Bah, je sais pas où c'est. Si vous voulez, mais la Liar's Backbone, quoi. Et ça serait bien que vous leviez l'ancre sans baisser les voiles, histoire que je puisse faire le demi-tour. C'est toi qui travaille, hein. Bah non, vous êtes trois à le faire. Alors, faudra faire gaffe, on va passer à côté d'un volcan. Ah. Oh non. Bah si. Bon, j'ai peur. Et vous me dites si je vais dans la bonne direction par rapport à la petite île que j'ai entourée à côté. Attends, il donne des ordres là, mais c'est qui le capitaine? Ouais, j'avoue, tout à l'heure là. Bah ne faites pas ça alors, je sais pas quoi vous dire. Je donne pas des ordres, dites-moi juste pour m'aider à piloter si vous préférez. On va tout droit sur le truc qui pète. Ah, c'est ça l'île en question, c'est le truc qui pète où on va? Ah bah, y'a des chances, ouais, oui. C'est ça. Ah, c'est peut-être le truc qui pète, oui. Il faudrait peut-être, genre, que tu passes à côté, qu'il y en ait deux qui sautent et qui aillent chercher un indice. Parce que si on laisse... Quoique, en vrai, regardez le... Ah si, moi je pense qu'on va se le prendre en pleine tête celui-là, non? Non, t'inquiète. Non, le volcan, en vrai, il a une distance minimale en dessous de laquelle il peut pas cracher, en fait. Donc, alors, mettez l'ancre quand vous le sentez. Mettez l'ancre quand vous le sentez. Je me rapproche. Ah par contre, celui-là... Non, je le sens pas, globalement. Oh là, je le sens bien dans notre gueule, là, celui-là. Ah oui. Oh là là. Oh là. Mettez... Oh, l'autre main. Mettez l'ancre. Mais non, j'étais pas là. Attends. De l'eau. Ah mais va prendre de l'eau avec le secours. Elle est où l'eau? Elle est en bas, mais tu joues pour le jeu pour la première fois. Oui. Elle est où l'eau? Elle est dans le tonneau, c'est idiot. Pompe. Il est débile. Arrête de jouer le best-of, Mintos. Arrête de jouer le best-of. Mais là, on va continuer à se faire canarder, là. Ça sert à rien, là. J'ai comme... Non, il faut... Je prends l'eau. On est où? Oh, on est... Faut...
Il faut quoi, Fred? Il faut quoi? Dis-moi. Non, rien. Il faut un nouveau mât. Il faut un nouveau mât. C'est tout ce que je peux dire actuellement. Damage, là, je suis en train d'éteindre le volcan avec des petits coups de seau. Tire, mettez les planches. Non mais c'est bon, les planches là sont mises. Je vais réparer. Ouais, on remet le main, Bip les planches de bois. Vous voyez, c'était ça, avant l'obsolescence programmée, on pouvait faire des choses comme ça, hein, vous savez. Oh, je suis tombé. Voyons, on se fait pas attaquer. Tranquille. Pourquoi tout mon écran est en rouge, par contre? Ah, pour mourir. Je suis en train de mourir. Ah, l'eau est chaude. Ah oui, l'eau est chaude, vous avez raison. Ah, bah ça a du sens. Non mais c'est pas ça, c'est pas ici. Mais c'est pas ça du tout, les gars. Ah bah c'est vous qui m'avez emmené ici. Ah non, c'est pas c'est ça. C'est toi le capitaine, prends tes responsabilités. Mais non, c'est vous qui devez regarder la carte. Mais on n'est pas du tout au bon endroit, c'est pour ça. Mais c'est Mintos. Mais j'avais dit plus à bord, c'était on n'était jamais allé là-bas. Mais qu'est-ce qu'on fout là? Oh là là. Vous m'avez dit c'est le truc qui pète. Moi je vais sur le truc. J'en qui sais pète. Rien, mais c'est Mintos qui a dit que c'est le truc qui pète. Oh, il fait n'importe quoi, il joue best off. C'est oh trop. Oh là là. C'est trop Mintos. Faut faire demi-tour, créneau. Ah bah oui, si vous voulez faire demi-tour, faut lever les voix. Il faut me dire l'île exacte, faut me guider. Moi je peux pas avoir la. Non mais c'est bon, t'inquiète. Mintos il est viré, on va te guider, t'inquiète. Non. Alors par contre, dans la manœuvre, on va se prendre d'autres trucs, hein, je vous le dis, donc faut vous préparer à mettre des planches à écoper. J'ai voté pour mettre Mintos au fer. Non. Bien joué. Ok, il faut me dire la direction, s'il vous plaît. C'est quelle île? C'est où? Babord. Mais Babord, vraiment? Bah en gros, tu fais un angle droit, lol. Mais non, dis-moi est-ouest. Ah non, tu pars dans ce sens-là. Attends, ouest tout, hein. Ouais, c'est vraiment complètement... Tu fais vraiment un angle droit, c'est lol. C'est complètement à tribord. Lol. Je la vois, c'est la petite île qui est là-bas. Alors du coup, attention, moi, j'ai pas réussi à changer mes trucs, hein, vraiment. On va peut-être se prendre une boule dans le cul, là. Non. Fred. Peut-être. Fred Langage. T'as peut-être raison. On va voir si on va se prendre une boule dans le cul. Moi, je vais charger des canons, moi. Moi, je vais charger ton cul. Attention, préparez. Je vous laisse. Faut vous occuper de l'encre, hein. Ok, alors attends. Putain, mais... Bah maintenant, je crois. Mon jeu me plante, putain, mais... Ah. Allô? On t'entend, mais... On est arrivé. Ben on t'attend. On est bien arrivé, même. Ah, on est bien arrivé. Hein. On s'est bien planté dedans, là. Ah, faut y couper, Jean-François, couper. Il y a des geysers. Ouais. Ah, il y a une coque. Ah, merde, je suis full niveau planche. Les geysers, ils nous font du mal ou pas? Fred. Oui, ils font mal. Au secours. Rez, pis. Fred est mort, il faut rester, Fred. Fred. Et dessus, il y a des monstres. Florence. Oh putain, Florence, derrière toi, Florence. On est tous morts. Sérieux? Bah, je sais pas, mais Florence, elle était en train de jouer le reste alors qu'il y a deux squelettes qui la touchent avec des. Bah oui, mais je les avais pas vus, les squelettes. Et après, quand je les ai vus, ils avaient des canons à poudre. Et premier réflexe que j'ai fait, c'est mettre un coup de couteau dedans, quoi. Ah bah, c'est pas grave. Étrange. On va réapparaître sur notre bateau qui est normalement juste là. Après, moi, j'ai jamais fait une fable sur Sea of Thieves qui se passait bien au début. Hein. Donc, ne vous prenez pas les geysers. Moi, j'ai entendu Forest Fred. Hein. Moi, j'ai voulu faire mon taf. Hein. Non, mais oui, il fallait Rest Fred. Moi, je joue healeuse dans les jeux, Antoine. Donc, j'ai pris mon rôle très à cœur. Environnement aussi. Alors, je sais même pas s'il y a un truc à trouver sur cette île. Hein. En fait, si, parce que regarde, il y a une espèce de coque de noix. Ok. Et donc. D'ailleurs, cette coque de noix, on devrait peut-être la prendre. Et attends, caisse de fruits, non. Pip, pip. Il y avait un truc bizarre que j'ai vu dans le sol, mais Et où la coque? Ah bah c'est ça, Fred. C'était quoi, ça? C'est une caisse de fruits. Caisse de fruits. Coque de noix. Ça vient de la prendre, au cas où. À mon avis, épave, c'est souvent, hein. Bah si tu veux, on peut regarder un peu en dessous de l'eau, si tu veux. Je regarde un peu. Est-ce qu'il y aurait pas un point d'intérêt qui serait pas loin? Bah en tout cas, le rivage sous l'eau autour de l'île en question est visible. Hein. Je veux dire, c'est pas juste des tréfonds avec rien. Ah, je vois un truc. Tu vois un truc? Il y a un truc qui brille, ouais. Où ça? Ah, mais est-ce que c'est pas juste... C'est pas une sirène? Ouais, c'est pas une sirène. Non, c'est un truc blanc. Ah, vas-y, c'est pas une épave? C'est un caillou, je pense. T'as examiné le squelette, Antoine? C'était une perle. Quel squelette? C'est un coffre. Il y a une squelette sur l'île. Tu l'as examiné? Ah bah non, examine-la, toi. Coffre rempli des cendres du capitaine. Ah. Où ça? Bah, dans mes bras. C'est un truc de merde, ça, non? Dans mes bras. Attends. Ah, c'est pas dit que ce soit de la merde, attends. J'examine le truc. Difficile de déterminer de quoi cette personne est morte, mais elle a clairement été abandonnée à son sort. Qui a Mintos fort? Mintos! Je me suis envolé! T'étais là et t'étais plus là d'un seul coup! Bah, c'est le mec, il est mort, il a un crochet de bois et un collier de flammes. Comment je pose? Je pense qu'il faudrait qu'on l'ouvre sur le bureau, sur le bateau. Ouais. Attendez, ouais, faut mieux se quitter l'île en vrai, je pense. Ouais. Vite fait, parce que là. Attendez, faut que je me heal un petit peu là. T'as pris la caisse de fruits, Florence? Oui, je l'ai ramenée, elle est là. C'est bien. Je le mets. Elle est là. Je le mets devant. On pourrait peut-être cuisiner des petites salades de fruits là.
Elle a deux fruits, jolis, jolis, jolis. Non, mais c'est juste un coffre à la con à vendre. Ouais, c'est un coffre à la con, je pense aussi. Ah non, c'est juste un coffre. C'est peut-être pas ça, alors, simplement. Parlez bien dans le coffre, bande de bâtards. Non, mais on le vendra à la fin. Je pense pas que c'était une île intéressante, Forsaken Brink. Écoutez, on va tenter du coup la fameuse Liar's Backbone, dont il parle à la fin du bouquin. Votre iceberg, si vous dites votre iceberg, c'est quoi la ref la plus sombre que vous avez? De quoi? Non mais il y en a trop en fait. J'ai pas compris. Non, si tu veux faire ton iceberg de ta culture, tu sais, comme les... c'est l'iceberg en surface, bah c'est les trucs les plus connus que tu connais, machin et tout, et au fond c'est genre un truc qu'il y a que toi qui connais, je sais pas quoi. Bah, il y a bien longtemps, il y avait une chaîne YouTube, mais c'est connu ça d'ailleurs, je crois que Feldup il en avait parlé. Il y avait une chaîne YouTube Blizzard qui postait des formes géométriques avec des bips. Ah mais c'est méga connu. C'est méga connu, mais qui était abonné. Ils sortaient une vidéo toutes les 3 minutes en fait. C'est comme ça. Et elle était abonnée à deux chaînes. Il y avait la première, je sais pas quoi, mais la première c'était moi. Ah ouais. Mais c'était une chaîne française. Il avait fait une seule vidéo qui était pas des carrés. C'était la Tour Eiffel. Oui, WebDriver Torso, c'est ça. Je vais dans un navire sur notre bâbord et une sloop sur en face de nous. C'est la petite île qu'on voit en face de nous, mais un peu au loin. Ah oui, la sloop est à l'arrêt. La sloop est à l'arrêt avec les voiles remontées. Ça, je me demande si c'est pas un navire de PNJ. Je sais pas. Au loin. Tu veux qu'on fasse le remake de Titanic, Florence ? Allez, ça part. C'est-à-dire, quel passage ? Le passage de la baise. Ça coule. Le passage de la voiture. Et voilà, c'est ça. La voiture, ça. Quoi ? Sympa de la scène de la voiture. Il baisse dans la voiture. Jamais vu, moi. Il baisse dans la voiture. Quoi ? Bah à un moment il baisse dans une voiture. Voilà. À un moment il baisse dans une voiture et comme c'est dans un espace clos, il y a de la buée sur les vitres et tu vois la main de Kate Winslet. C'est Kate Winslet ? Ah ouais. Oui. Oui, c'est Kate Winslet, oui. Qui est en train de qui est bouillante. De poser sa main sur la vitre, l'air de dire ah c'est chaud. C'est très très chaud ce qui se passe, mais ils vont avoir. Mais ne vous inquiétez pas, ils vont avoir très très froid bientôt. Ah. Ouais, ouais. Vous êtes prêts à jeter l'ancre ? Oui. Vire à tribord, vire à bâbord. C'est l'île sur laquelle on va le caillou ici. C'est ici qu'on le va. Tout petit truc là. Oui. Avec ça. L'arbre nu. Oui, oui. C'est Liar's Backbone. Bon bah je lâche tout. Jetez l'ancre. Vas-y, lâche tout Mintos. J'ai tout lâché. Gros dégueu va. De quoi ce créneau? On fait des créneaux. Ah. Non mais ce créneau il est approximatif si je peux me permettre. Écoute, t'as quand même mieux faire, écoute. Non, on me laisse pas faire. Bon, dans tous les cas cet endroit est lié très clairement à notre histoire. Faire une croisière, vous, ça sera un kiff? Pas trouvé. Non, absolument pas. Ah, attends. D'accord. Hein. Fred, il kiffe les croisières. Ah ouais? J'adore ça. J'adore ça. Moi, j'ai trouvé la grotte. Attends-nous, attends-nous. Vous allez vite de fou, hein. Franchement, j'ai même pas eu le temps d'arriver sur le Fred. T'as déjà fait une croisière, Fred? Ouais, plusieurs. Genre, ah ouais, mais tu bois pas d'alcool, putain. Non, je bois pas. Les champignons, là, c'est moi, je serais pété H24 si c'est l'alcool illimité. Après, t'es pas obligé de. Moi, j'y vais juste pour kiffer, me reposer, rien faire. Lire. C'est comme un. C'est comme faire un. Comment ils s'appellent les parcs dans la forêt là, tu sais? C'est comme faire un Center Park mais qui pollue la terre, en fait. Un peu. Ok. C'est bien gaze, hein, Center Park. Il faut tourner 3 blocs. Où ça? T'as vu ça où? Je sers mon King Flame Heart. Longue vie au Capitaine Flame Heart. Il y a Lord. Il y a Lord Ritual et Heart. Il y a King aussi. Oui, mais il faut que ça corresponde à des symboles. Ah non, mais il y a aussi Gold en bas. Il y a un quatrième. Il y a gold en bas. En fait, il y a un cœur. Faut peut-être pas que ça ressemble au cœur, non? Non, regardez, là il y a un symbole là qui était. Là il y a un symbole qui était sur les trucs. Il y a rituel aussi. Le rituel est prêt. L'équipage de Black Wish est scellé. Les souhaits du roi Flameheart seront exaucés. C'est peut-être une histoire qu'il faut remettre dans l'ordre. Je pense qu'il y a moyen. Je tordrais le cou de Drake. Comment hostile. Il y a eu un bruit à l'extérieur. Oui, il y a eu un bruit à l'extérieur de notre navire. On nous tire dessus. On se fait tirer dessus, ouais. Ouais. C'est pas sympa! Il s'est coulé? Non, c'est pas coulé. C'est juste qu'il y a un MAPT. Je vais sauver le navire, moi. Bah, vas-y. Je vais chez eux. Je pense que je vais crever, hein. Ah non, j'en ai tué un. Les autres, vous attaquez Antoine? Bon, on les a tués tous les deux. Mange un truc dans leur cale. Régène, mange un truc. Ouais. t'as pas du feu ou un truc comme ça pour foutre le feu? On a pas de quoi. C'est quoi? Viens, on vole leur truc là, les reliquaires dorés là, les trucs qu'ils ont là. Sinon, je leur baise, attends. Ils sont revenus, Fred. Attends, je les baise, je vais leur baisser leur truc là. Il faut faire tourner le bateau, hein. Bah oui, mais je peux pas parce que là, ils sont dans notre angle mort en fait. Je m'en occupe. Je suis en train de faire tourner le bateau. Tourner le bateau. Préparez-le sur bâbord, ils seront. Ouais. Non, mais y'a quelqu'un là-dedans. Quoi? Sors de là! Pourquoi ces gens? Je sais pas, j'arrive pas à sortir. Ok, ça va être tribord, ça va être sur tribord. Il faut écoper vite. Mintos le fait. Je m'occupe de réparer le bateau. Oh putain, en bas! Ah oui, oulala! Le canon là! Oh le merdier! Je vais prendre des fruits et je vais aller me battre contre eux. Hein.
Pourquoi j'arrive pas à remplir ces putains de canons là? Ils savent jouer au jeu. Ils ont levé leur voile au moment où je les rejoignais pour que je puisse pas les atteindre. Attends, remontons les voiles déjà pour commencer. Ah, celui-là, Tsunoma. Moi, je propose un truc. On répare les mains, on leur fonce dessus. Mais ça ne marchera pas, on est trop lent par rapport à une sloop. Bah dans le pire des cas, si on les rate, du coup, on trace, ça nous fait tracer. Ouais, mais le problème, c'est que là, en réparant les mâts, en fait, ils vont retirer dessus et ça va les casser, en fait. Effectivement, comme Florence disait, on peut réparer en boucle et au bout d'un moment, ils ont plus de canon. Bah, au bout d'un moment, ouais, ils l'ont pas en limité, je suis morte. Faut tirer là sur le côté. Quel côté? Le tribord. Oui. Là où t'es? J'ai leur bateau. Ah, mais tu les as tués? J'en ai tué un, ouais. Fous l'ancre, mets l'ancre chez eux, l'ancre chez eux. Elle est où l'ancre sur un petit scoop comme ça? Devant. Là où tu imagines qu'elle est. Là où je relève leur voile, c'est ça le problème si je devais. Balance l'ancre comme ça, ils bougent pas. Je sais pas où est l'ancre, Franchement, il faudrait vraiment que tu trouves l'ancre. Ça nous aiderait de fou. Oui, mais je suis mort. Non, c'est... Ouais, bah ils nous font droit dessus. Ne cachez pas des boulets comme ça. Ouais, ils sont trop loin. Go fuir. Non, eux ils ont des trucs à perdre, pas nous. Moi je pense qu'il faut qu'on les défonce en vrai. Moi je suis pour qu'on les tue. Après, on peut vraiment essayer de les éprôner. Hein. C'est on est un gros navire par rapport à eux. On leur passe à travers. Ah, oui, bien sûr. Oh non, ça c'est mauvaise musique ça. Ça c'est Kraken compatible ça, non? Non, ça c'est Mégalodon. Mégalodon derrière. De toute façon, on n'avait rien trouvé sur cette île là. Bah si, on était justement en train de faire l'énigme. Ah oui, putain, on était en train de faire l'énigme, je confonds avec l'île d'avant. Attends, là je leur fonce dessus, ok? Il va falloir que vous vous coordonniez pour leur tirer dessus, voilà, et leur foncer dessus. C'est foutu, et tomber. Mais non, on s'en fout du mégalodon, il est nul, on s'en bat les couilles. Oh, c'est droit, mais je t'avoue qu'ils vont aussi vite que nous. S'ils sont vraiment en train de fuir, il y a peu de chances qu'on les rattrape en fait. Ouais, mais sauf que si, ils vont devoir s'arrêter quelque part à un moment, je veux dire, c'est... Quel rageux, c'est depuis que tu joues à Valorant, ça. Plus sur la gauche. Quel rageux, comment ça, bah si tu veux, je les poursuis pas, hein. Non, mais c'est pas ça, d'habitude, t'es le premier à dire non, on s'en va les couilles, venez. En fait, le truc, c'est que je suis allé sur leur bateau et j'ai vu qu'ils avaient des trésors. Nous, on a rien à perdre, ils nous ont attaqué. Je suis en mode, bah écoutez, autant essayer de leur faire quelque chose, tu vois. Bah en fait, s'ils s'en vont... C'est cool, si après c'est on joue au jeu du chat à la souris, c'est trop chiant quoi. Bon non mais vas-y, on va ça va durer 1000 ans sinon on va revenir sur l'île de la fable, ok? Je vais rester en haut un petit moment, puis je vous rejoins. Okay. Vas-y, si tu vois que personne ne vient. Mets-toi sur la vigie au pire hein, si tu veux regarder. Ouais. Abaisse le levier, Kronk. Voilà. Ah celui-là! Ok. Bon alors, de retour dans cette pièce de mort. Et Art c'est quoi Art? Art c'est ça. Ah mais attends, je pense que il faut écrire... King Flameheart, parce qu'il était très mégalo, ou Lord Flameheart, il faut écrire Lord Flameheart. Lord, c'est quel symbole? T, le T. Ok, je l'ai. TV. Flame, c'est quoi? Et le Heart, le Heart, c'est une espèce de crochet de faucille avec un petit symbole au milieu. C'est bon. Ah non, on l'avait juste avant. Là. Non, c'est pas ça. Oui, c'est bon. Si, c'est bon. C'est bon. Ah bon, le crochet, c'est ça? Clé mystérieuse. J'ai trouvé Clé mystérieuse. Ah, pardon. Et on a effectivement rajouté des pages à la fable. Très bien, bah retour sur le bateau du coup. Vous revenez dans le bateau, Kazoo. Mon travail ici est presque achevé. L'équipage du Black Witch n'est plus et je m'apprête à offrir à mon maître un premier seigneur des cendres. Le rituel doit avoir lieu dans le... Putain, quelqu'un passe dans mon bouquin. Ah c'est moi, désolé, je voulais la lumière. Le rituel doit avoir lieu dans le repère du... Putain. Ouais bah désolé. Le repère doit avoir lieu dans le repère du capitaine Flameheart. Tout au fond... Hein? Heart. Oh putain, il est désagréable. Tout au fond du cœur ardent... Ça ne veut pas dire la même chose, je suis désolé. Bah vas-y, lis Antoine dans ce cas-là alors. Non, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, lis, vas-y. Putain. Vas-y, lis. Lis. Le rituel doit avoir lieu dans le repère du capitaine Flame... Ah mais j'en ai marre! Allez, vas-y, allez vous faire foutre, allez lire. Putain, il y a trop de trucs qui passent dans mon bouquin, j'en peux plus. Mais quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Non mais Florence, en fait, mon bouquin il y a pas mal, il y a pas, enfin. Ça va Florence, on te demande juste de lire une page de. Non mais vous le faites, j'en peux plus. Mais non mais lis-le putain. Lis. Non. Tiens. Mais arrête de bouder, lis Florence. C'est incroyable, t'as fait du droit, t'as lu des milliers de livres. Non mais on me reprend sur mon accent, je déteste ça. C'est pas un accent, c'est une prononciation. Mais faites-le, je vous en supplie. Je veux plus le faire. Le rituel doit avoir lieu dans le repère du Capitaine Flameheart, tout au fond du cœur ardent, sur Devil Thirst. Donc c'est ça l'île qu'on doit trouver, Devil Thirst. T'es soupolé un peu, Florence, je te trouve. Ouais, j'avoue. Tu boudes? Boude pas, Florence, boude pas. Boude, tu fais du boudin. Faut pas bouder. C'est Florence pas... Mmh. Oui, faut pas bouder, Florence, ça sert à rien. Allez. Devil La communication, c'est le ciment, voilà. Ouais, bah vous avez grave communiqué, là. La communication. Florence, t'es pas belle quand tu boudes.
Alors, je donne un truc pour la trigger encore plus. Florence, oh. Désagréable, hein. Elle boude. Non, c'est bon, c'est bon. Si, tu boudes. Non, non, je boude pas, je boude pas. Putain, tu fais la gueule parce que je t'ai dit que hard, ça se dit hard, quoi. C'est très grave. Mais non, mais après, vous arrêtez pas de passer dans mon livre. J'arrivais pas à lire, ça s'arrêtait pas de s'arrêter. Alors, attends. Boude pas, Florence. C'est ta faute, Fred. J'ai rien fait. Ça suffit, on peut arrêter de parler de tout ça. On peut. Oui, concentrez-vous un peu sur l'énigme. L'équipage du Black Witch n'est plus et je m'apprête à offrir à mon maître le premier seigneur des cendres. Le rituel doit avoir lieu dans le repère du capitaine Flameheart, tout au fond du cœur ardent. Donc, Liar's Backbone. Vous plongez dans le volcan. Oui, mais attends, son accès. Oui, mais sauf qu'on peut pas plonger dans le volcan comme ça. Ils disent que son accès n'est pas facile depuis les fonds, mais je peux y arriver si j'éclaire le calice surplombant la plage du littoral nord. Pourquoi il y a une note sur notre main là? Non, mais c'est Sarenor. Ouais. Ah, vous avez vu l'île en question? Ah, pardon, c'est moi, je l'ai pas vu. Ah, Devil First, elle est là. C'est ici qu'on doit aller. Pardon, my bad. Florence, elle fait du boudin. 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 Je mets littéralement de liquide dans ma cigarette électronique. Je ne fais pas du boudin. Elle fait du gros boudin. Florence, arrête de bouder. Donc, est-ce que vous pouvez me dire que si je vais dans la bonne direction, il me semble que c'est sud-sud-est pour moi. Je vais voir. Alors là, je sais que je pars dans la bonne direction, mais je suis obligé de contourner l'île en question. Boudin, France fait du boudin. Oh putain, vous êtes trop fiers. Boudin. C'est Mintos, moi, c'est pas moi, j'ai arrêté. C'est moi le bout de plus. Boudin, France fait du boudin. Oh putain. Bah, tu me demandes, tu me dis oui de rechanter, je rechante. Non, mais je voulais pas que tu chantes ça, je voulais que tu chantes des chansons pipe et jambes de bois plutôt. Alors, bah, pile en face de toi, il va y avoir, j'attends toujours que vous parliez pour lancer. Pile en face de toi, il y a une autre île, tu vas la contourner sur bâbord. Non mais même, les voiles me cachent... Mégalodon, là, je vais aller dans la cale en préventif. Hein. Ouais, mais en vrai, le mégalodon n'est pas flippant, en vrai. Non. Là, il nous a vraiment foncé dessus. Ouais, mais il a rien touché. Ça va, c'est un poisson. C'est juste un poisson, hein. Alors, pile en face de toi, il va y avoir une toute petite île, là, tu es pile sur la bonne direction. Il faudra la contourner par bâbord ou tribord, peu importe, et c'est l'île derrière. Bon alors, est-ce que la mer, elle est plus jolie au loin, du coup, ou pas? Bah, j'ai pas vu de différence, j'avoue. Pas gentil pour les devs. Non mais je vois de fou la différence. Ouais. Ah oui, ils ont bien bossé. Ok, c'est une grosse île hein, sur laquelle on va. Ouais, je sais. Donc il va falloir qu'on trouve un calice à allumer. Tu commences à approcher d'une île qu'il faudra éviter par la gauche ou la droite. Je ne sais pas ce que veulent dire ces mots, Fred, mais ok. Par tribord ou bâbord. Ah merci, ok, très bien. Tu vas redresser tribord de 5 ou 10 degrés et on va commencer à ramener les voiles. Doucement, on va ramener les voiles à mitière. Pourquoi tu veux qu'on ralentisse spécialement? Parce que comme ça on va essayer de se garer assez près en fait. De se garer, va falloir qu'on se dépêche surtout, je pense, parce que là je fonce sur l'île. Hein. Okay. Oh non, Florence est tombée dans l'eau. Ouais, je suis tombée. Essaye de naviguer, rapproche-toi sur tribord 10 degrés. Sur tribord 10 degrés. Non mais là mec, je fonce sur l'île. Hein. Non mais t'inquiète, tu peux... bascule à tribord. Florence, tu vas prendre une sirène? Bah je sais pas, je la vois pas. Je crois que t'es trop proche. Ok, full tribord. J'ai peur, ouais. Full tribord. Oui, maintenant, et lâche l'ancre. J'ai glissé, chef. T'as de la moustache, je pense. Oui, elle est belle, non? C'est un jeu. C'est un calice, ça, non? Ah, c'est peut-être un calice. Torche. L'ombre a pas. Ah, c'est ça. C'est là où t'as Mintos. Ah oui. Tiens, regardez. Attends, mais non, c'est une torche, ça. Bah. Ah, c'est une torche. Regarde le bouquin. C'est une torche, un calice, c'est une coupe. Ah oui, t'as raison. Coucou, mon accès n'est pas facile. Mais je peux y arriver si j'éclaire le calice simplement la plage du littoral nord. Ah, ça, là. Il est tout en haut, je le vois, attends, je crois. Je le vois, là. Oui, il est là-haut. Il est là-haut. C'est un vasque, en fait. Qu'est-ce qui se passe, Florence? Rien. Attention, il y a un baril de poudre ici. Moi, je tue les poules. Tue la poule. Vas-y, on va allumer. Oh. Voilà. Punaise. Alors, derrière nous, devant nous, où ça? Sephiroth qui arrive. On voit rien. En bas, ça s'allume. En bas, ça s'allume, regardez. Ouais, ça s'allume, regardez. Là. Où ça? Ah oui, tous les trucs sont allumés en bas. Ouais. Bon, je pense qu'il est là-bas. Hein. Enfin, le dernier là-bas, il se passe quelque chose ou pas? Si tu vas sous l'eau là-bas, qu'est-ce qui se passe? Regarde. Ah, je crois que si j'étais développeur, je considérerais ça comme une espèce de chemin pour guider le joueur, à mon avis. Il y a un truc sous l'eau? Ouais. Ok, venez, on va rejoindre Fred. Si, il y a un truc, ouais. Ok, go. Ok, vu. Effectivement, j'ai l'impression que. Il y a une porte avec un espèce d'hôtel. N'oubliez pas de remonter à la surface assez régulièrement pour ne pas vous noyer. Une clé requise. Ah, bah c'est la clé qui est sur le bateau. On l'a pris? Non, on l'a pas pris. Ah, faut prendre la clé qui est sur le bateau, ok. Le bateau, il est à côté, non? Ouais, mais faites gaffe aux requins. Il y a deux requins même. Je vais le chercher. Il y en a un qui veut le cul de Minto, j'ai l'impression. En même temps. Comment le blâmer? Il y en a un deuxième par contre, Florence, si tu veux. Ouais, je sais, j'attends. Ouais. Oh, nice. Allez! Ça fait pas de kill sur Valo, mais ça tue les requins dans Sea of Thieves, hein? Derrière toi, Florence. Ah!
Fred. Ouais, je suis là. Bon, on peut descendre. Attends, je respire un coup et on y va. Allez, ouvre cette porte tout de suite. Oui, 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 oui. Ouvre cette merde. Oui, 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 oui. Il faut que tu places ça ici. Oui, 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 c'est bon. F placé. Let's go. Allez, hop. Félindra, tête de tigre. Ok, let's go dedans. Oh non, c'est encore sous l'eau derrière. Oh non. Mais attends, mais on va se noyer là. Je suis juste noying là. Ah, moi je me suis noyé en tout cas. Oh, tu t'es noyé? Ouais. Mais attendez, Florence est morte. Elle s'est fait bouffer par un requin. Ah, c'était un requin? Oui, oui, tu peux pas te noyer ici, je pense. Elle est derrière, je l'ai pas vu. Aidez-moi ici, s'il vous plaît, à me défendre. Attends, on cherche une poche d'air peut-être déjà, ça pourra nous aider. Non, mais on va pas se noyer, je pense que c'est infini. Non, non, c'est pas infini, il y a de l'air juste derrière. Je suis en train de me noyer, hein. Il y a de l'air, il y a de l'air ici, il y a de l'air. Hop là. C'est bon, on peut dire que mon donation goal, stage de plongée, il est réalisé là, c'est bon, ça suffit. Allez, c'est bon. Mais je crois qu'il va falloir continuer ce stage de plongée, machin, fort, oui. Je pense. Let's go! Putain, c'est trop stylé ce passage. Allez, j'écoute la musique. La musique, elle est trop bien, le passage est trop stylé, je trouve. Ouais. Ok, la surface, vous pouvez être. Là, on peut, remonter, là, on peut, là. Oui, on peut. C'est très joli. Ok, on est dans le cœur du volcan, je pense. Allez, là. On saute dans la lave maintenant. Là, c'est un. Alors là, maintenant. Alors. Ok, bien. Ah. Attends, attendez. Attendez, s'il vous plaît. Hop, vas-y. C'est bon. Nice, c'est bon. Putain, ce passage est trop stylé, en vrai. Ouais, grave. La musique est grave. Le jeu, il est sous-estimé de fou, en fait. Il faut bien descendre, là. Bien descendre. On descend, descend. Et on prend la porte juste ici. Par contre, j'ai plus de bouffe du tout. Du coup, le problème, c'est que si on se tape le boss fight contre lui, là, ça va être compliqué. Hein. Ok, il y a des trucs ici. Il y a des statues, des symboles, ouais. Des portes. Et des tonneaux avec des boules incendiaires. Il y a plein de tonneaux avec des boules incendiaires. Il y a re des symboles hein, partout. Hein. Mais alors les symboles sur les portes, c'est Lord Flameheart, ça veut dire ça. Donc les portes ne s'ouvrent pas, est-ce qu'il faut peut-être les éclairer, je ne sais pas. Il y a des crânes avec la bouche ouverte. Ah oui. Il y a des crânes, mais... Avec des symboles à côté, ouais. Ah, attends. Jeter un truc dans la gueule du crâne. Ah, vas-y. Oui. Ah oui, ça a marché. Et ça ouvre la porte du coup? Ouais, ça a ouvert la porte. Oui, ça a ouvert cette porte. Oui, tout à fait. Okay. Ah, alors là, il va y avoir full piège. Là. Ouais, là, c'est le couloir des pièges. Je brûle, je meurs, au revoir! Il va falloir me reste. Venez. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que t'es tombé à un endroit. Non, où... bah dans ce cas-là, je faites la game sans moi alors! Me restez pas! Ah, mais c'est délicat quoi. Mais c'est faisable. Fred, je crois que t'as plus ta frange, je pense. Ah putain, il y avait de la bouffe. Oui. Dans l'autre tonneau, il y avait. Mais j'ai pas tout pris. Ah. J'ai tout pris, alors que j'en avais pas besoin parce que j'en avais déjà. Mais... Je lève la porte. Ah, il faut que je reste appuyé pour que j'ai l'impression pour que vous puissiez passer. Ok, vas-y, on va passer. Ah, attendez, est-ce que ça se bloque à un moment ou pas? Après, là, t'as le temps de passer, hein, si tu la montes suffisamment haut. Bon. Ah non, c'est bon, elle est bloquée. Ok, toi. Attention, il y a des pièges, il y a des pièges. Il y a des pièges. N'allez pas n'importe où. Rasez les murs. Je suis pas sûr que ça se tourne en boucle. Ça, j'ai l'impression que c'est plutôt un boss, ça. Là, là, elle, là, au milieu. Ouais, au milieu, il a plus la même gueule que lui. Ouais, c'est un boss, ça. Il est surtout mort. Ok. Les flammes. D'accord. Ok, attends, Florent, je reste là. Il faut avancer, il faut suivre les flammes. Mais bah, attendez, attends, moi, je me mets full life parce que je sens pas bien. Oui, t'inquiète. Il faut que tu colles les flammes, juste. Comment ça, coller les flammes? Bah, en fait, ça avance progressivement, ça avance en vague, tu les colles. Ok. Là, ok, il faut faire le tour. Ikea, ça. Ouais. Ikea. C'est le portique d'Ikea. Ah oui. Dans mon souvenir, le portique d'Ikea était moins dangereux quand même. Hein. C'est vrai. Il y a un truc ici. Ça fait belle lurette que je navigue ici image, et hein. Jamais je n'ai vu une telle boîte. J'ignore mon avoir la dénichée, mais elle pue. Creep, j'ai la frousse pour l'ordre des âmes travailleurs. Non, Mintos, je suis mort. Oh non, Mintos, dommage. Non, moi aussi. Ah. Non, s'il vous plaît. Bah oui, mais attends, vous êtes tous les deux morts, je pense que le saut il est trop court, qu'il faut faire une étape peut-être, non? Ah, je vous laisse à peu près 5 minutes pour réfléchir à ça. Oh, bah je suis morte. Oh non, le Fred reste là. Ouais, je réfléchis, mais... Attends, ne tente rien pour le moment. Ne fais rien, Fred. Hein. Ouais. Ah oui, ok, on réapparaît juste là. Okay. Cette phase de sirène. Là. Oh putain. Je suis trop con. Non, j'ai juste été con, j'avais pas compris que ça avait commencé. Ouais, moi j'ai essayé de faire une étape à gauche et ça marche pas, hein, je vous le dis. Non, mais on a juste été naze. Voilà. Oui, non, fallait juste sauter. Ah ouais? Ouais, c'est drôle. Ah oui. Ah oui, effectivement, voilà. Oui. Oui, mais on a été trois à se planter. On a été trois à se planter, c'est fou. Non, moi j'ai fait. Moi, du coup, quand j'ai vu que vous étiez tous les deux morts, j'ai tenté une autre technique. Ah ok. Oh, attention, il y a des pièges sous l'eau là. Ok, faut y aller maintenant. Genre, ça m'a tué. Je touchais rien. Oh non. Oh, c'est la faute à la manette. Ah, du coup, personne ne me reste. Ah, si, c'est bon. Ah, parfait, merci. C'est bon? Alors, attends, Florence est morte. Ouais. Mm. Ah, je suis. N'avance pas. Je suis remort sur le même truc. Je sais pas, c'est.
Hop là. Ok, ah, alors attendez, attendez, fou, attendez, attendez, y a un truc là-haut. Il y a tout plein de squelettes qui sont en train de nous foncer dessus. Oui, c'est comme. Oui, c'est pour des. Bon, putain. Et en plus, y a le truc au milieu, faites gaffe. Est-ce que ça tue les squelettes? Non. N'oubliez pas qu'il y a des tonneaux de bouffe si vous en avez pas. Et que les squelettes laissent parfois des sacs de munitions. N'oubliez pas. Alors, les flammes tuent les squelettes. Ah ouais? Ouais. Ah bon? Moi, je viens d'en voir un passer dedans qui est pas mort. Ils prennent des dégâts, moi, je les ai vu prendre des dégâts. Ah, oula. Ah, mais les boulets incendiaires, moi, j'allais y aller donc. Bah, allez, on y va. Ouais, allez, vas-y, lève le. Enfin, vas-y, je le lève, vas-y. Hop là. Let's go. Oh là là. Avec le feu, là. Oh là là. Ah, on est obligé de sauter au-dessus, hein. Ça s'arrête jamais, par contre, la flamme. Ouais. Aïe. Ah. So long, Mintos. Non, mais je pourrais jamais te sauver la vie, là, en fait, Mintos. Non, là, c'est impossible, là. Il faut qu'il revienne. Mais je pense qu'on est au milieu du check... Enfin, on est au checkpoint, là. Ok, alors attention, elle est pique. Avec la musique qui s'éloigne au loin, c'est vraiment horrible. Merci à toi. Waouh, c'est trop beau. Un petit coup. Magnifique ici. Oh, ça a l'air dangereux, mais c'est magnifique par contre. Mais attends, mais ensuite on va où là? Sauter dans. Merci. Non, elle va falloir utiliser la poulie ensuite. Oh non, Florence. Oh, Florence. Ah, mais là en plus, tu as glissé ça. Attends, du coup, ça parle de phobie dans mon chat. Moi, des phobies, j'en ai pas mal. Hein. Mais après, le truc, c'est que ça me. Par exemple, je suis plutôt arachnophobe, mais genre les araignées dans les jeux vidéo, je m'en bats les couilles. Vraiment, c'est. Ouais, moi, c'est pareil. Je déteste les araignées en vrai. Mais après, plusieurs degrés de phobie aussi. Genre, moi, il y a des moments où ça fluctue. Ma claustrophobie, elle est pas toujours équivalente. Genre, il y a des jours où je vais me sentir beaucoup plus claustrophobe que d'autres jours, en fait. Moi, j'ai un peu peur de l'orage quand je suis à l'extérieur. Ah, j'ai très peur de l'orage. Moi, j'adore. Quand je suis dehors. Mais quand je suis dehors, moi, je kiffe. Genre, quand t'es dans la rue et qu'il y a de l'orage, tu kiffes. Ah ouais, moi, dedans, dehors, moi, j'adore l'orage. Moi, j'ai failli me faire foudroyer, du coup, j'ai peur tout le temps. Ça et les Italiens, ça me fait peur aussi. C'est bon. Ok. Antoine. Oui. Pizza Pass n'excuse pas tout. Allez, on va lever cette poulie. Saisis pas. Oh, regardez. Il fait émerger un chemin. Mais est-ce que quand tu lâches, ça va redescendre ou pas? C'est la question. Ah, je ne sais pas. Non, je pense pas. Lâche pour voir. Non, c'est bon. Ah, si. Si, ça redescend. Merci. Si, ça redescend complètement. Bah, c'est pas grave. Vas-y, allez-y. Hein. Non. Oh, non. Oh, le bouffe. Non. Il a glissé. Il y a un levier, là, je vous attends. Ok. Faut que j'aille où? Voilà, saute en bas là, regarde. Allez, tire le levier. C'est bon. Allez, let's go. Je sors mon flingue. Bon jeu. Le chemin alors, de l'éternel. En fait, je pense qu'avec. Oh, regardez. Je pense que les trois chemins menaient ici. C'est juste qu'on a pris un des trois chemins. Ah, je pensais qu'on allait faire les trois portes. Non, je pense. Il est au fond. Il y a des acteurs. Il y a des paid actors. Putain, ça a vachement progressé quand même. C'est trop bien. C'est le puits du fou. Avec plus de véracité historique. Maître. Maître. Soumis, va. Tu es King Shame, Mintos? Non. Je suis RP maître. RP maître. Faut que tu descends, Florence, faut que tu viennes avec nous. Pardon. Soumis de merde, là. Bah. J'étais choqué par le King Shaming de Mintos. Mais non, mais je suis RP maître, je suis pas en 15 ans. Mais personne n'a envie de voir ton RP maître, Mintos. C'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Soumis, va. Je sais pas si j'ai trop envie de voir ce RP Mintos, c'est pas pour moi, je vais pas te brancher, mais. Je parle au PNJ. Pas sûr. Il parle au PNJ, mais j'ai pas envie de te voir parler au PNJ comme ça, mec. T'as cru que je parlais à toi, Antoine? Ah, y'a le coffre, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ce coffre? Parce que du coup, là, on peut pas passer. Je pense qu'il faut qu'on prenne le chemin ici et qu'on se casse, hein. Je pense que c'est le coffre qu'il nous faut, hein. On passe par là, hein. Là, y'a un truc, y'a une statue, revenez au navire. Ah oui, faut ramener le coffre à Pendragon. Attends, parce que là il y a un truc et attends, on peut l'ouvrir avec le machin enflammé ça. Ouais, attends. Oh putain. Ah, vous étiez pas obligé de vous le foutre sur la gueule non plus. Bah oui, Mintos il balance ça à bout portant quoi. Tu brûles, Antoine. Bah je sais bien, ça fait mal hein. Je suis chaud bouillant. C'est votre RP là encore là. Ouais. Soumis. Parce que je suppose. Soumis de merde, là. Comme ça hein. Mintos. Quoi? Mintos quoi enfin. Attends, c'est pas un ascenseur ça? Ah Parce que du coup, je suppose que si on prend la. Si on prend le TP, il. Non, ouais, t'auras peut-être pas ton coffre. Hein, prenez le passage. Ouais, faut prendre le passage. Je prends une douche. Première fois de ma vie. Expérience horrible. POV. Ok. Bon, du coup, c'est là où il faut éviter de mourir avec le coffre, hein, c'est ça? Tranquille. Oh, c'est trop bien. Pour les bébés, hein. Pour les bébés, hein. Oh, il y a des squelettes dans des cages qui font des allers-retours. Alors là, il y a des squelettes dans des machins, là. Ah ouais, effectivement. Fais attention. C'est Lilou. C'est Lilou. Attention, là-bas il y a du lance-flamme en face. L'île d'en face, merde. Lance-flamme Mintos. Je suis mort avec le coffre, il va falloir le récupérer. Oh non. Je sais, Ok, faut descendre. Bizarre, j'ai pas sauté. Ah ouais, si tu peux me raise. Ce bruit.
Oui, non, mais c'est facile, c'est facile à récupérer. Vas-y, reprends le coffre, Fred. Attends, après, je vais où? Je vais là. Attends, je bois un coup. Je mange un coup, je veux dire. Oula. Moi, j'ai le coffre qui commence à fumer, en fait. Oui, il prend feu, il faut le. Mais il disait dans la fable qu'il y avait des flammes à l'intérieur, hein. Ah merde. Faut le foutre sous l'eau, sous l'eau. Ouais, comment c'est la bon. Okay, et où est-ce que bon. Je trouve de l'eau? Oh, regarde, je suis en train de vous ouvrir une porte. Allez-y. Toi, c'était un couche, ce donjon, là. Bah, en gros, à la fin, en fait, il y avait le coffre, il fallait yep. le passer sous l'eau, et il y avait le squelette, et puis... C'est bon, on est à la surface. Ah, ouais, faut que tu viennes là où on est, attends, non, viens pas avec le coffre, viens pas, Fred. Me voilà qui arrive. Le coffre, donnez-moi vite, il est temps de sauver mon équipage. Encore temps de sauver mon équipage. Allez, bro. Mais devant... Schlack. Et schlack. Ah. Oula. C'est oh. Les âmes, ils sont libres. Oui, les âmes sont libres. C'est ses copains. Ce sont ses amis. Mmh. Oh, les bébous. Mmh. Oh, c'est trop bien. C'est nous. Littéralement. En plus gros. En moins gros, je veux dire. Moi aussi, je suis leur pote. Oh, la scène était grave mimes. Bah oui. Pas de la fable. Mais du coup, on a plus de fable, en fait, à part celle de Monkey Island, en fait. Bah, c'est faut pas ramener un truc, quoi. Bah oui, il faut ramener, non. Mais bon, on a eu zéro récompense, si. Mais on lui a donné le coffre au gars. Oui, mais on a eu des pièces d'or. On a quelque chose là dans le. Il y avait ah ouais le cœur. Ah non, le cœur, on l'a laissé là-bas. Le coffre bah, cendré du capitaine. Rapport, on le ramasse ou on le ramène ou pas? Ah oui, vas-y, on va le ramener. On va aller à l'avant-poste le plus proche et le vendre. C'est vendu. C'était 1367 balles. Ah non, j'ai 319 000 en fait balles sur moi. 319 000 aussi, pareil. Attendez, venez sur la plage. Oui, bien sûr. On est sur la plage. Bah, Mintos, il est là-bas. Oh, l'état du bateau, j'avais pas vu. Ouais, t'avais pas vu, c'est un truc ah de fou. Bah, oui. Il arrive. Ah, oh, bah, c'est bien. Moi, j'ai envie d'y mettre le feu parce que ça a plus la classe. Oh, oui, il casse le bateau, c'est la tradition. On met toujours le feu au bateau. Il était un petit navire. Jouez des instruments là. Regardez, il part à l'horizon en brûlant. Ah, ouais. Il est beau là. Ouais. Le navire se cache pour mourir. Le drapeau qui flotte. Le drapeau et LGBT qui est en train de couler. Le stream full homophobe. Il est devenu homophobe immédiatement. Très très très, ouais. Et bah voilà. Et cette femme, elle était assez courte, j'ai trouvé. Elle était vraiment très courte, celle-ci, ouais.